إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تغضب الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى فهم إسلام 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 بحبيلون تصدر القرآن. الحج أشهر معلومات، حج بلغناز في سلام يو ساكري يتروف دان سابلاس مكة مدينة عرفات اتسيطيغا لتروف سب عبادات دوان أشهر معلومات دوان مساكري. Et parmi ces mois sacrés, Dhul-Hijja, c'est un de mes mois sacrés qui nous fait des mois et nous fait des efforts. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala, fait fini soi-ci-li, nous fait tout ce qu'on a dernier préparation pour les capables réaliser ce grand pilier de l'islam qui appelle Al-Hajj. Mais c'est un frère en islam, et c'est en islam comme toujours, et un Hajj qui conforme avec l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et un hajj qui conforme avec passion, et un hajj qui base sur l'ignorance, et un hajj qui base sur l'hôpital. Il y a plusieurs cas de hajj. Hajj qui Allah subhanahu wa ta'ala il faut accepter, c'est un hajj qui fait conforme lui-même par tout d'abord la sincérité. Ou bien faire hajj parce que c'est une obligation qu'elle a fait faire au monde. Ou bien faire hajj parce que vous satisfaire les critères qui fait hajj est obligatoire au monde. Et vous bien faire hajj pour gagner une récompense avec Allah. Ou bien faire hajj pour réaliser sa pilier de l'islam. Qui Allah fait faire famille au monde pour capable pour qualifier pour faire sa hajj. Et aussi vous bien faire sa hajj pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khudu anni manasikakum. Prends-moi comme l'exemple dans la pratique du Hajj. Prends-moi comme l'exemple dans la façon de faire Hajj. Prends-moi comme l'exemple dans tout ma petite chose qui vient faire. Alors suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit le Quran فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج سيبكي فراز حرف من فراز دوري كما حرف من فراز دوري في الإسلام تدابو نو المسلم ensuite حرف من فراز دوري بسكين في الساتيسفير بجرد كريتير وان بون سانتي حرف من فراز دوري parce que nous avons le moyen financier, parce qu'il besoin d'argent pour faire hajj, pour payer le passage d'avion, pour payer l'hôtel, pour manger quoi, etc. Et aussi, hajj fait une phrase pour moi, surtout dans mes causes de madame, parce qu'il y a un mahram qui est capable d'accompagner. Celui qui vient satisfaire, va critiquer pour faire hajj, alors il est besoin de faire hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Faire vite pour gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un dimanche par des droits étant hajj. Si il est satisfait,
qui dit Hajj, les plus uns font Hajj, sinon, si les mots dans un intervalle, les mots comme un désobéissant qui finit sauvé avec sa devoir qui Allah lui oblige, lui fait obligatoire lui. Donc, Hajj est obligatoire, le Benjamin qui a bonne santé, Benjamin qui a le moyen financier, Benjamin qui accompagne son mahram, et aussi par des conditions qui est la sécurité, etc., etc., l'Ibiza fait Hajj. Allah est venu dans l'islam de sa mercé, Faman farada fihin al-Hajj, fala rafad, wala fusuq, wala jidal al-Hajj. Faudrait pas que Benjamin qui vient faire Hajj, je désobéis Allah dans les petites façons. Faudrait pas qu'il y ait une offense ou parole. Qui veut dire Hadji, l'Ibiza contrôle son causé. Donc, il y a un homme dans l'islam et musulman, l'Ibiza contrôle son labous. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, Al-Muslim man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadi. Un vrai musulman, c'est celui qui lui protège son frère contre son propre larme et son propre la main. Qui a fait protéger son frère contre son propre larme et son propre la main? C'est qu'il n'y a pas cause, va le causer vis-à-vis de ce frère qui l'islam défend lui. Il n'y a pas cause, va le causer vis-à-vis de ce frère pour ce frère qui l'islam empêche lui. Et il y a beaucoup causé que l'islam empêche pour vous causer vis-à-vis de ce frère, comme il y a beaucoup causé qu'il y a une fois causé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il empêche les musulmans, c'est un soldat-là, pour cause, va le causer qui n'est pas autorisé d'après l'islam. Un autre sujet, ça va donner quelque chose qui est autorisé, quelque chose pas autorisé. Et dans quelque chose qui parfois ne trouve pas autorisé, autorisé aussi. Pareil pour ça même, un musulman, soldat même, pas qu'il ait droit de faire dito ce frère. Comme ça même, et dans quelque chose qui vous l'armée, d'après la loi islam, pas qu'il ait droit de servir contre son frère, et dans la même situation qui vous gagne pas, c'est une plein cadeau de ce pays, ça aussi gagne pas. Mais, d'après le cas islamique, gagne pas pour avoir servi la main. C'est-à-dire, ou on empêche le mal, ou on donne le bien, on empêche le mal par la force, ou bien, ou qu'un droit servi une armée, pour écrire la vérité, ou dénoncer posté, ou qu'un droit servi une armée, pour mettre en garde du monde. Tout ça là, c'est une chose qui cadre dans l'islam, mais de l'autre côté, ou pas qu'un droit servi une armée, pour faire dit au frère, comment Allah vient mettre son limite, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient mettre son limite. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit fala rafata wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. N'a peine la décence, n'a peine zina, n'a peine péché, n'a peine mensonge, n'a peine cause de quelque chose qui n'est pas vrai, n'a peine discuter pour rien dans sa période qu'elle dit qu'elle fait hajj. C'est lui qui peut faire hajj, comme les autres frères en islam, et c'est en islam, il vient observer Allah son demande. Fala rafat, wala fusu, wala jidala fil hajj. N'a peine ni causer inutile, ni l'indécence, ni désobéissance, ni discuter pour rien. Il finit là-bas, il finit pratique sa hajj. Pareil comme Allah finit enseigné, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit enseigné. Et il est sincère, peine aucun doute, quand il pourrait tourner, il pourrait tourner avec un cadeau surprise. Avant qu'il réalise un pilier de l'islam, il pourrait tourner avec un grand cadeau qui appelle Al-Hajj al-Mabrour. Al-Hajj al-Mabrour, frère en islam, c'est un bonus. Si un djimoun Hajj est une obligatoire, lui, il est une tête de sur la tête. Les bizarres acquittent sa tête. Ou demain, il n'y a pas une punition avec Allah. Ou demain, il n'y a pas du ciel dans l'enfer. Mais c'est lui qui vient à faire Hajj. Ensuite, il observe un principe, il y a un bonus avec Allah qui appelle Al-Hajj al-Mabrour. Al-Hajj al-Mabrour, frère en islam et c'est en islam, c'est un moment qui est intimon, quand il a fait Hajj, il peut retourner, il retourne comme un dieu, il fait prendre naissance. Veut-dire qu'il retourne, pareil comme un enfant, il prend naissance, il vit dans la terre, il peut être un tas spécé. Comme ça même, c'est Hajj. S'il fait une prothèse lui-même, pour ne pas dire un mal, il n'est pas fait de faire rire, il n'est pas fait de faire bidra, il n'est pas fait d'inventer, il n'est pas fait de faire les guerres sur frère, faire mal. Il n'a pas fait de coquer son frère, il n'a pas fait de mettre fausse accusation de son frère, il n'a pas fait de faire une petite chose qui est haram, mais il n'a pas fait de faire.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Waas bin Qubbas qui il est tune car يوم ولدته أمه عليه comme le jour qui son maman fit mettre l'île sur la terre. Son maman fit faire naissance sa timon comme ça lui retourne quand il retourne vers sa famille après sa pèlerinage après sa hajj. Mais aussi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fait encouragement avec un deux jeunes bonus. Bonne frère qui va faire hajj, bonne frère, bonne soeur qui va faire hajj, al-hajj al-mabrour, laisse lahu jazaun illa al-jannah. Un jeune qui vient réalise sa bonne principe, qui nous fait citer plus devant, c'est qu'il ne paye aucune récompense pour lui, excepté qu'il vous gagne paradis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frère Islam, un jeune qui vient réparer ou lui capable de réaliser sa hajj. Sinon, frère Islam, pareil comme on a dit hier pour Ramadan. Nous pouvons faire des préparations de dans le mois de Ramadan et au fin de compte, résultat après. Quand Ramadan est arrêté, il n'y a pas de Ramadan est rempli masjid, quand Ramadan fait des vides masjid, après Ramadan, masjid des vides, il n'y a pas de parce qu'il passe une prépare lui-même, il passe une rentrée dans l'entraînement pour qui il reste dans masjid d'Allah. Pareil pour ça même. C'est lui qui prend prépare lui pour les capables. Capable de la patience, pour les capables de la tawakkul ou Allah, pour les capables d'accepter qu'Allah vous fait un tésor, pour les accepter qu'il y ait une difficulté dans le hajj, avant d'arriver, quand il y a là-bas, il y a une malédiction avec Allah. Quand il y a la terre sacrée, il y a une malédiction avec Allah. Quand il retourne, il y a une triple fois plus péché qu'il y allait, parce qu'il n'y a pas d'entrée à hajj, il n'y a qu'à courir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui vient finir, vient dans la liste, il peut préparer lui-même pour y faire sa grand travail, encore dans sa quelques jours de temps, mettre ou dans l'eau, dans l'esprit, mettre ou dans l'eau, dans l'ego, demande à la guidance, cherche la connaissance, apprends, prends patience, paye un tapis rouge dans Hajj, paye un tapis rouge dans Hajj, paye la facilité dans Hajj, parce que Hajj libérera avec nous quelque chose. Qui fait avec la facilité dans le Hajj, malgré qu'il y a beaucoup de facilité, Hajj reste une épreuve beaucoup difficile. Comme on nous dit, il y a beaucoup de patience, pour une provocation, pour une difficulté, pour une maladie, pour une désespoir, pour une chagrin, pour une guerre entre vous-même et vos familles. Qui paiera pour nous après? Frère en Islam qui va faire Hajj, c'est un Islam qui va faire Hajj, c'est un modèle, ça qui doit arriver sur les certains qui appellent Al-Maut. Hajj, c'est un mini modèle, qui nous donne vivre, qui nous donne pratiquer. Pareil comme malgré le mot pour une situation. Ou vous êtes dans la case, quand vous avez Hajj, vous pouvez manger avec ou ihram, ou les blancs d'eau, ou venir rentrer dans un transport, ou venir rentrer dans un avion, ou bien dans Mikal, ensuite vous sortez Mikal, ou bien faire d'abord, ensuite vous allez à l'enfer, rappelez-vous même, ou vous sortir tôt ou tard dans un fourgon horizontal, l'osez votre frère, et vous pouvez sortir ou quoi, ou demain, sur ses jours dans Al-Mahshar devant Allah, dans sa la plaine
parler de soi-même, le jour de Arafat, quand on est en plein dans la plaine, rappelez-vous demain dans la plaine pareille, où vous débrouillez devant Allah ou Rabbul Alamin. Qui vous va demander la Arafat, frère Islam? Qui vous va demander la Arafat? Vous va demander Allah ce pardon? Vous va demander Allah subhanahu wa ta'ala ce pardon? Et Allah subhanahu wa ta'ala qui extra généré sa jour. Le jour quand nous vous débrouillez devant Allah, sans même qu'il nous intéresse, qui Allah pardonne nous. Sans même nous envie, qui Allah pardonne nous. Il prend ses enfants, brille 17 mois. Il prend un petit monde qui lui fait confiance, un petit monde qui lui fait tout. Il est capable de prendre ici pareil de Allah pour ça, son propre égo qui vient parce qu'il est pas au nom d'Allah, sans même pour nous préoccupation le jour du Qiyama. Pareil à Arafat. Le pardon divin, c'est ça qui nous fait besoin à table pour qu'il nous gagne la victoire avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui lui gagne le pardon. Nous faisons écoute la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il fait une vie pareille comme les enfants de connaissance. Pareil comme des gens qui le savaient sain et sauf. Le jour de Hajar, quand Allah finit de le lire, son livre dans la main droite. Haou, Trahou, Kitabia. Lire, il vous fait un petit peu trouver les colis, la main droite. Mon passé, mon gain, un rail, mon gain succès. Alors il gagne bien comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre lui dans une place dans de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier lui avant qu'il y rentre dans le paradis. Une purification pour prenant une tasse. Pena aucun amiature de soleil. Pena aucun banchi la haine. Pena aucun si jalousie de soleil. On a ça. Quand il fait Hajj, le tourner, quand Hajj est terminé, qui ont envie? Ou envie de retourner vers la famille? Ou envie de retourner vers madame? Ou envie de retourner vers les enfants? Ou envie de retourner vers la famille? Comme ça même, ça rappelle-vous le jour de Qiyama, quand on gagne au passage, on s'y quitte dans la même paradis? Ou envie de joindre une famille? Parce qu'il a dans l'islam, où est une famille au dunya, pareil comme ça même, actuellement là où est une famille dans le paradis. Actuellement, un homme et une famille de paradis qui attendent avec impatience sont venus de paradis. Alors qu'on fait gagner un ticket, ou pour attendre, pour joindre ou des familles, ou familles de dunia, ou accompagner pour réunir avec vos familles là, sans impatience, alors le jour du Qiyama, on peut aller. Pareil comme ça même, quand on fait finir le Hajj, l'impatience pour retourner aux familles, alors son récompense, c'est le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour l'islam, monsieur l'islam, Hajj c'est un rappel, qu'il rappelle nous nos missions sur la terre, rappelle nous destinations vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il rappelle nous aussi pareil, qu'il nous encore est dans les temps escalaires, pour capable de rattraper les tempérésies, pour capable de refaire nous la vie, pour capable de retourner le droit chemin, pour capable de revenir un bon timon, pour capable de revenir un pardon, pour savoir le crime qu'il nous fait faire. La science est toujours la même frère d'islam avant qu'il la convienne sur nous. Alors tout cela c'est un rappel et aussi il y a un rappel pour un djinn qui parle faire Hajj. Hajj, il y a un rappel pour celui qui n'a pas fait Hajj, celui qui prépare pour parler pour faire Hajj, mais aussi il y a un rappel pour nous qui Allah subhanahu wa ta'ala va finir écrire pour nous qu'on a fait Hajj cette année-là. Il y a une maison pour nous ici pareil, mais nous nous disons si c'est dans l'islam. Et sur l'islam, rappelle-nous qui est les sons. Avec mon papa qui est allé, mon papa qui a fait Hajj, mon maman qui a fait Hajj, mon frère qui a fait Hajj, mon sœur qui a fait Hajj. Est-ce qu'il concerne moi en tant que musulman? Mon voisin qui a fait Hajj, mon camarade qui a fait Hajj, un frère musulman qui a fait Hajj. Écoute ça, moi j'ai un profit avec cet événement dans sa mois sacré qui appelle le Hajj. Alors le musulman lui a fait ses mots. Trouve une réponse à sa bonne question. Est-ce qu'il y a Hajj?
il concerne moi l'eau qui me pourrait sur Maurice dans sa main de moment, pendant qu'elle doute, un musulman lit directement concerné avec tout un ibadat ou bien indirectement lit concerné avec un ibadat. Inch'Allah, c'est un rappel qui nous fait la deuxième fois. On se rappelle qu'on a la Seyyidina Muhammad ou à la Ali, on s'en rejoint. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, premier leçon dans l'islam pour nous, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire un frère qui a la chance. Vous vous êtes heureusement la question, moi. Ah ben, Allah subhanahu wa ta'ala fait de moi sens pour aller ou bien non. Moi qui pas n'aller là, est-ce qu'Allah t'a ouvert la porte pour moi ou bien non? Est-ce qu'Allah sa faveur est qu'elle a une fière au monde, mais seulement pour prendre ses innocences. Mon rôle Allah, on fait mon rôle moi-même. Demain, l'année prochaine, l'année ensuite, jusqu'à qui, finalement, il n'est plus capable d'aller une bonne banane. Avec moi ici, pareil, vous pouvez trouver moi, Béron, dans sa jouée là, moi ici là. Mon Philippe, parce qu'on reste pour la 5 banane. Est-ce qu'il fait en islam, tout y a des sons Allah, ça va le sens qu'il demande. Donne-moi sens en haut. Est-ce qu'Allah vous donne-moi sens? Est-ce qu'il a sens qui m'a gagné? Allah l'oublie, moi la vie. Est-ce qu'il a oublié qui donne ta sens? De ta coup de pied dans la sens? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire la chagardoum, la zidannakoum. Si nous remercions Allah, ou bonne faveur et faire au nom, Allah vous donne plus. Ou la ilkavardoum ibn adab ila shadi. Si nous faisons couvre avec Allah, la soupétition sévère. Est-ce qu'ils vont faire couf de sa faveur? Qui n'a pas en arabe koufrou ni'ma? On tape coup de pied avec faveur Allah, on fait couf avec faveur Allah. Est-ce qu'ils vont trouver moins de sa catégorie? Est-ce qu'il donne le plus important pour moi? Est-ce qu'ils vont aider moi travail le plus important qui s'arrête? Est-ce qu'ils vont d'abord cool l'eau ça travaille, faut aider mon travail aide moi pour qu'on manger moi? Est-ce qu'il y a mais seulement l'hypocrite qui nous pose même sa question, est-ce qu'il demain Allah vous trappe moi sévèrement qui vous trissé mon panal ferhat, mon roi? Deuxième frère en islam, deuxième rappel, qui moi au cassis d'un mon frère qui a fait hajj, il y a un rappel pour sa madame dans la case, son huissier n'a fait hajj. Inch'Allah, après quelques jours, c'est en islam, où monsieur pouvait tourner, Inch'Allah, quelques jours, deux semaines, trois semaines. Sur l'absence, c'est bien difficile. Sur l'absence, c'est bien difficile. Ou alors qu'on vive sans lycée pendant trois semaines. Ou alors qu'on vive sans un papa pendant trois semaines. Ou alors qu'on vive pendant un grand frère qui se pose avec tout pendant trois semaines. Là, il faut nous faire sa réflexion. Est-ce qu'il est important dans la vie? Est-ce que sa maman est important dans la vie? Est-ce que sa papa est important dans la vie? Est-ce que sa frère? Est-ce que vous faites assez pour eux? C'est une réflexion pour nous, ça. Une réflexion pour moi, 15 jours, il y a les. 3 semaines, il y a les. 1 mois, il y a les. Est-ce qu'ils vont faire assez pour eux? Ou bien est-ce qu'ils vont faire un petit tour? Est-ce qu'ils vont faire une petite chose qui, aujourd'hui, vont regretter? Mon papa pas là. Lui, 1 mois absent. Mon maman pas là. Mon frère, mon soeur pas là. Mon enfant pas là. Est-ce qu'ils vont faire un petit tour? Est-ce qu'ils vont faire une vie difficile? Alors, ça, c'est une question qui est obligée pour nous ou qui demain on rattrape sa erreur. Si Allah fait de tout la sens, qui ne va pas réparer devant vous. Si Allah fait de tout la sens, qui vous frère ou sœur, ou maman, ou tifi, réapparaît devant vous après 5 mois. Allah fait de tout la sens, alors rattrape les temps perdus. Réfléchis de notre absence. Comment je tiens pour toi dans la vie? Comment je tiens un poteau dans la vie? Qui est si bon pour aussi dans la vie? Qui est réel en personne? Qui a été important moralement, pas seulement financièrement? Pas nécessairement financièrement, moralement, qui a
certain sens qu'Allah avait de vous. Mais pour les mêmes jours, frère en islam et sœur en islam, ça te dit qui vous permet de se la dire. Ça te dit qui vous permet de vous avoir. Ça te dit qui met autour de vous mettre une nuisance pour vous. Ça te dit qui vous met au lit mais facile pour la terre. Ça te dit qui vous met la guerre avec des grands attentats. Ça te dit qui vous n'a pas fait cause en ligne grands attentats. Ça te dit qui vous met des abonnés mots. Tout ça va de l'élan. Son absence fait vous une meilleure vis-à-vis. Son absence demain, vous capable de rattraper les temps perdus. Dans son absence, les gens qui nous réfléchissent en tant que musulmans, fallait un petit monde dans la vie. Allah parle de nous un maman pour rien. Allah parle de nous un papa pour rien. Allah parle de nous un enfant pour rien. Ni un frère pour rien, ni un soeur pour rien. Allah parle de faire moi soin une connaissance dans un site pour rien. Tout ça là, font partie de la vie. Tout ça là, il faut un partie dans la vie, son absence qui quitte une vie dans la vie, donc capable de ressentir ou bien non, mais il faut une vie dans la vie. Ça nous sonne qui, quand vous pouvez trouver un certain salam, vous pouvez aller tous les jours, mais il y a une vie dans la vie si vous ne pouvez pas retrouver un jour. Peut-être qu'on réalise dit, peut-être qu'on ne pas réalise. Alors, dans l'islam, nous sommes capables de rétraper dans le pays pour sa réflexion qui nous a fait pendant 50 jours qui, pour aller, mon frère, pour aller pour passer dans le Hajj. Hajj dans l'islam, c'est un djihad. Hajj, c'est un djihad, madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait considérer Hajj un djihad, madame. Nous savons qu'il y a un djihad. Nous m'en avons fait djihad. Nous m'en disons qu'il y a un djihad. Pas de vieux pour faire djihad, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Alors nous devons, c'est que, alors hier, pendant le fond des batailles, dans Arafat, dans Mina, dans Pis, dans Tinel, dans Baladan, malade, alors nous, nous voyons derrière et nous devons faire des blâmes avec Allah. Nous devons demander qu'il y a la consolide, qu'il y a la réalise sa travail, qu'il y a la faire victoire et retourner victorieux. Nous devons, ici, qui veut dire que nous présence ici n'est pas une présence pour rien. Nous supposons soutenir nos frères pour sa doua. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire man istata'a an yanfa'a akhahu faly'al. Celui qui est capable de profiter de son frère, qu'il profite lui. Et qu'il veut dire pour ce qu'il va profiter de son frère dans l'islam, excepté quand on lève la main, on ne pas faire ça. Faire ça, avion atterrir bien sain et sauf. Oh Allah, il y a un problème. Et là, c'est tellement de gris mortel dans sa place. Ou Allah protège les autres contre sa gris. Ou Allah est tel, il y a un problème de guerre. Allah tenait celui qui est ferme. Ou Allah, libéré, qu'il ramasse sur leurs enfants pendant des années. Fait les actes de Hajjul Mabrour. Ou Allah protège lui. Ou Allah donne la santé de ce tawaf. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un musulman, c'est ça ce devoir vis-à-vis de ce frère. Et il y a un bonus ici pareil. Ancien couteau ici pareil. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire, si un musulman il fait du'a pour son frère, dans son absence, Allah, son malaïka, son ange, répond pour tout ici pareil. Tout bon du'a, tout bon parole, on peut dire, derrière les deux frères, pour sa frère-là, Allah, descend, dit tout ici pareil. Allah donne nous la même chose. Alors tout ça, c'est un bénéfice pour nous, frères en islam, mais il y a aussi, qui nous fait le rappel, certaines bannes, quelque chose qui en cours, pas pété au rond, qui visait, nous demande Allah, faire ça pour nous parce que toutes les choses peuvent venir pour l'argent aussi. Toutes les choses peuvent venir pour l'argent. Un homme qui peut être adoré à votre Allah, c'est l'argent. Imam, Niadi, Ali, tout pas exempté de sa fitna. Fitna tout le mal. Mal, l'argent, c'est un grand fitna. Aujourd'hui, dans l'islam, c'est pas seulement tricher pour gagner l'argent, mais servir Allah comme par avant pour gagner l'argent. Nous aimons faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala met ta frayeur dans le guerre. Met ta frayeur dans le guerre, mon frère et ma soeur. N'a pas servi à Allah comme par nos publicités. N'a pas servi à Allah comme pour gagner casse. Dieu est tombé gagner casse pour faire compagnie. N'a pas servi à Allah. N'a pas servi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour vivre riche. Pas haram ça. Gagne million n'a pas haram. Mais seulement, pas servi à Allah comme agent. Pas servi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme agent. Mom
ça. Tout ça là par avant, l'hôpital est là qui va se prévenir. Ne pas dire à tout le monde comme ça, mais c'est un fitna. Ne pas dire à tout le monde comme ça, mais c'est un fitna. Si vous ne pouvez pas faire un hajj ou un ris, qui a un droit à faire comme un espondant hajj. Qui a un droit. Allah dit qu'il y a un droit. Allah subhanahu wa ta'ala permet de faire comme un espondant hajj. Mais seulement pas faire hajj ou un commerce. Ça n'a pas. Qu'elle doit faire commerce dans le Hajj, mais pas faire Hajj vient commerce. Vient commerce, peine à ibadat Allah, peine à taqwa Allah, peine à sunnat Allah subhanahu wa ta'ala, ni sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vos problèmes disent ça dans son. Ça n'a là, pas faux parti, ça résolument là, pas faux parti dans l'île d'Allah. Pareil pour ça, même Qurbani. Qurbani, dans l'islam, ça vous dit, permet de compétition qui commence. Qui fait permet de commencer? Ou dans 800, ou dans 700, petit à la fils, casse dans vos poches, ça te casse au moins, ça c'est la fils. Hein? Avec qui l'argent peut venir ça la fils? L'argent qui ne va pas être mort de moi ça, ou même on met pas ça l'argent sacré, ça n'a pas ça la complice. En la complice, quand on connaît la fils, paix esprit, comment dire, paix ventiseur, comment dire, paix ventiseur, mort, PSL, 50 ou 45 pour monter tout le monde. Mais une compétition pour tout le travail. Déjà, elle a une question aussi qui n'est pas faite pour parler des roues. D'aller pour ça. Mais le problème, elle n'est pas dans la débris. Il veut, c'est tout, il est tout, il n'y a sans client, il est tout. Pêche-toi, prix. Finalement, le problème là, il est tout pareil. Qui, pour parler secondaire, ça, peut mettre faux des faux. Peut finir faire toutes sortes de qualités, publicité, la fils. Pamphlet, radio, télévision, journal, bouche à l'oreille, cause mentir, il dit voler, moi, tout voler. Alors jusqu'à ça, Nicolas, on arrive avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut te décrire sa corbanie, ta voix. Vous trouvez ta poêle là-haut? Paiement d'aide, si vous le faites en bêtise, des ans, ça va vous faire 6 mois. Paiement d'aide, si vous le faites la veille, gonflée, paiement flasque, on peut se vendre avec des loups. Remplie des pensées, pour de solides béfins, solides animaux, hein? Finalement, l'arrivée, elle est une dépérie. Ça craint des flas. Une dépérie, il passe en pilonie, ça craint. Et arrivé, il mange la joue, parce qu'il met une source pour qu'aucun timoun, l'on nom Allah. Mais qu'aucun le voit, mais qu'aucun le lasse. Pareil pour sa même frère en islam, Allah subhanahu wa ta'ala commis l'exemple de nous et n'a fait qu'aucun le courbani la même. C'est pas le courbani, comme vous voyez dans le 70 sport. Vivez-vous avec ta famille là, avec ton bébé. Après, il y a la finale. Il y a une famille, c'est pas la domaine. Mais c'est là pour donner tout, le fini 20 ans, tout, nous voulons tout fiche à l'île là. Nous voulons tout fiche à l'île là. Tu as un sirri, tu as un sirri. Mais qui est arrivé, dit Simon, paye pour même bébé. Jusqu'à ça qu'a été dit là, il y en a, l'homme Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frère l'islam, Qurbani, fit-fit, un source pour gagner l'argent pour une fois. Ça qu'a été fait faux, gagner faux. Ça qu'a été critique. Tout voler, c'était l'île pas voler. Tout voler. Baïla. Tout voler. C'est l'île pas voler. Allah subhanahu wa ta'ala, vous dites, nous, sur Riyama, le vrai voler, vous connaissez le jour de Riyama, l'examen final. Pareil pour moi, aussi dans la Côte-d'Union aussi pareil ça. Une fraude, faire seconde, troisième, puis si on a dit ça. Une fraude, il doit dire passer le sixième, alors on fait pas ça. Sixième par qui composé. Pas professionnel qui composé. Le côté en bien composé. Former une fraude, former des fonds 5. Comme ça même, fraude, il y a tout volé ou tout seul, bon. Mais sous triamant, il n'y a pas contre les volés qui met coquin dans un islam, coquin dans un musulman, fraude, sacal. Prends sa carte,
dia, vinza, pour avoir le droit de silence, pour avoir le fait que vous le connaissez. Mais test final, résultat final, le jour de Riyama n'a pas peur, voler n'a pas peur, trianguer n'a pas peur, harami n'a pas peur, le jour de Riyama, l'air la vérité ou son vainqueur. Comme ça, même frère l'islam, il y a une fatwa. Zoli fatwa, il y a une affaire Kurbani de Bangladesh. Zoli, pas qu'à l'eau, mais une pensée Kurbani. Nam Jimoun qui pas fait la masse Fajan, il prend ça le Kurbani de Bangladesh. La masse Fajan qui n'a pas fait. La masse Idi n'a pas fait. Jimoun Péran Damasi, Péhaya, Yassine, devant la porte, il était au figuier. Mais seulement, on trouve ça normal. Mais seulement, les moussas mal quand il y a Kurbani. Vous avez fait Kurbani de Bangladesh parce que vous avez moussas non pas de Bangladesh. Pas pourquoi je dis, ce qu'a dit, c'est un niveau là nous peut arriver dans Dine. Et il n'a pas fait Kurbani Bangladesh, il n'a pas fait dans l'Inde, il n'a pas fait Madagascar. On met une chose dans l'islam, Kurbani n'a beaucoup de sunnat qui est assez. Kurbani n'a beaucoup de sunnat qui est assez. Oui, nous connaissons un frère, un ciel dans l'essence. Et n'a beaucoup de frère, un ciel dans l'essence à travers le monde. Fais-moi au défunt, fais-moi la famille, fais-moi manger, fais-moi boire. Mais Kurbani a attaché avec beaucoup de sunnat. Comme un sunnat qui vous aime à manger. Vous pouvez m'en s'arracher. Ça, c'est un sunnah qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un premier sur le débat à partir de s'arracher pour Bani. Veuillez pas vous faire pour Bani, dit-il, ou brille sa sunnah. Pour Bani, amène une roue comme une bonne frère, vous êtes portant ce bonne frère. Ou voisin, ou voisine, ou famille, ou frère aussi. Vous êtes une zone de Timoun Misère aussi. Ça va un Timoun Misère dans les parages qui fait fier, qui dit qu'un Timoun, la CAO. Parce que tous les jours, sans y retrouver, mais vous y avez, mais vous les un mois qui n'est pas capable de petit bout. Alors il peut fier qui vous donne pour la viande. Mais seulement, frère l'islam, si on prend tout la viande, vous avez des hauts. On prend tout l'argent, vous avez des hauts guerriers. Mais nous avons un frère musulman qui méritait d'un pays. Nous avons un soeur musulman qui méritait d'un pays qui va arriver. Ni on pratique sunnat, ni ça va nous guérir la viande, ni ça va nous jouir, faveur Allah qui fait nous autres. Qui est arrivé au plateau vidéo. Oui, nous connaissons l'essence. Mais il y a une alternative. Pas besoin de faire des hadiths falsifiés, déjà. Pas besoin de faire la repas, mais pourquoi la repas? Pas qu'à sa tête à Oni. Comment j'ai dit que ça fait en moi là? Quand on peut dire les hadiths, c'est pas que sa tête. Mais on peut dire que Allah, Allah va nous trapter aujourd'hui, nous trapter dans votre Yama, ami. Va nous trapter, ami. Mais si on peut calquer, vous ferez au cher. Pas nécessaire pour parler. Elle pose 700 roupies. Donnez-les fils à Bélinda. Fais un Kurbani Maurice. Prends 700 roupies. Prends 400 roupies. Quel frère, pour sa vie, ça vient de 500 roupies. Ne prends pas fils à Bélinda, ne le frère. Quel problème? Pas obligé nécessairement faire Kurbani dans l'Inde, dans la planète, pour qu'il nous mande pas de bonnes frères, c'est elle qui a une bouchée manger. Pas obligé ça. Ou capable, fils à Bélinda. Capable de pisomber jusqu'à décembre, avant il faut couper, avant il y aura un coup bœuf. Fils et médical, tout le monde frère, tout le monde s'est là mangé. Après, dis-moi, pas manger ce bœuf. Dis-moi, mange le pisson dans ça, mange du riz, mange le légume. Pas nécessaire, vous êtes dans le balai pour faire pour parmi, vous coupez. Qui veut dire, qui vous trouvez des bœufs? Fait fort au soupe avant il y aura un coup bœuf. Vous trouvez, vous dire vos conclusions. Quand vous prenez le bœuf, vous pouvez trouver. Il peut un business d'argent. Alors, est-ce qu'il nous coupable? Oui, nous coupable, 100% nous coupable. Parce que si pas gagné l'argent, pourquoi nous faisons ça? Ça t'amassait la cause, on fait si pas gagné l'argent. Où qui met de nous autres sa location? Où qui met de nous autres sa location pour tirer un profit dans la tête de l'argent? Mais là, vous donnez rien. Ou elle a envie de coopérer pour faire une organisation crédible qui est capable. International, national, qui est capable d'être seul de plusieurs façons. L'habillement, manger, boire, ration, vêtements, l'éducation. Bien difficile là. Mais le jour de riz, pour vous animer ici, faire ce rival d'être comme la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faire, les gens qui vraiment pour réaliser ça qu'Allah Gatan, avec ce rival d'être beaucoup moins de choses, pas de bénéfices que nous avons trouver. Alors tout cela, c'est un moment pour nous prendre conscience à faire. Pour qu'il nous rappelle nous-mêmes que voilà ça, le jour qui passe devant nous, c'est un jour qui est extrêmement important et plus important que tout.
c'était pas le moment qui veut montrer nous l'importance de lui. Les pauvres hajj, le lien important qui tout, c'est qui dans hajj veut montrer nous l'importance de lui, qui nous pas d'eau non excepté Allah. Nous n'avons pas d'eau ni prophète, nous n'avons pas d'eau ni ange, nous n'avons pas fait non ni antéocate. L'importance de lui dans Allah, l'importance conforme nous-mêmes avec sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Veuillez vous rappeler nous-mêmes qui la ligne de Ibrahim alayhi salam, si Ibrahim alayhi salam si fauté dans le tawhid, si fauté dans le tawhid, si fauté dans le tawhid, mais le tawhid Allah qui prend comme le modèle, thumma awhayna ilay, Allah peut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite nous finirons de l'autre. C'est lui qui fait vivre la tawhid d'Allah. Comme ça même, beaucoup de contradictions, c'est qu'il n'y a pas à faire, mais il fait respecter l'engagement et principe, Mohammed, principe, Allah qui fait révéler nos lignes. C'est un rappel pour nous qui dîne les bases de tawhid, les dîne les bases de conformité à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, parce que c'est ça même une petite chose qui est plus importante dans la vie, tawhid d'Allah et sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous visons un engagement avec des vies dans nous. Nous visons prendre résolution. Nous visons prendre un engagement dans l'islam qui a porté aujourd'hui. Moi, suivez-moi de Ibrahim alayhi salam. Moi, on n'a pas tombé dans le chiffre. Moi, on n'a pas fait le bidra avec Allah. Moi, reste-moi avec tout le monde bidati. Moi, reste-moi avec tout le monde dimon qui peut contradire Allah, qui peut contradire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hada wa alhamdulillahi rabbil alameen. Waqim salat. Inna salat atani al-fahshay wal-munkar. Wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lam.